Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Bah, nous sommes à Vauban pour la nouvelle année 2023. Et qu'est-ce que je vois poser? Donc, c'est une voiture qu'on a déjà vue souvent, plusieurs fois à Place Vauban. Je connais un peu le proprio de visu, je l'ai salué là. Bon, les amis, c'est flippant parce qu'on a la plus belle voiture du monde devant les yeux. Pour ma part, vous le savez que je suis un grand fan de chez Aston Martin. Et là, on l'a posée comme ça. Elle est somptueuse. Franchement, je vais dire que des banalités parce que... Non, mais j'ai presque... Voilà, j'ai de l'émotion. Je suis comme un enfant. C'est assez flippant. Voilà, les amis, Aston Martin 77. Que dire de plus que à part que... Bah, la beauté existe, la beauté automobile existe, elle est devant mes yeux. Vous avez vu ce beau modèle, regardez-moi ça, couleur blanc nacré bien sûr, on voit l'écran, c'est somptueux. Ah, je ne goûte pas mon plaisir, je ne peux pas passer sans la filmer, c'est trop magique comme voiture, avec le diffuseur qui va bien à l'arrière. Voilà les amis, bon il y a de la Porsche, je veux dire il y a de la petite Porsche, c'est pas vrai, il y a de la très jolie Porsche comme vous pouvez le voir ici là. Donc il est tout juste 10h, ça commence tout juste, mais voilà. Je tenais à vous faire voir cette pépite parce que bah, ça en est une quoi. Alors, je sais pas si on voit un peu mieux l'intérieur ou pas. Bon, c'est un intérieur rouge quartier, du plus bel effet. Aston Martin 77, production de 77 modèles, pas plus. Voilà, c'est la Place Vauban. Des petites pépites qui débarquent comme ça, et c'est génial. Comme vous pouvez le voir, le temps est magnifique. Il y a une petite éclaircie, donc l'année commence bien. Les amis, Place Vauban, il y a de la vie. Subaru, Sacha. Il y a de la voiture, Place Vauban. Ah là, c'est une voiture américaine au loin, là. On ne la voit pas souvent, c'est assez rare. Je ne sais pas quel est ce modèle. Il va peut-être repasser tout à l'heure. Bon, on va rester sur la Subaru Impreza STI. Voilà, les amis. Bon, vous pouvez le voir. Très jolie voiture. Au bout, là-bas, on a un 370Z. Super. Bon, comme vous pouvez le voir, Place Vauban, il y a du monde. Parce qu'il y a de la belle voiture, alors on va aller faire un petit tour, voir ce qu'il y a. Suivez-moi en direct. C'est parti les amis. Alors, comme vous pouvez le voir, Nissan, GTR. Très jolie Nissan GTR. BMW. Porsche. Alors bien sûr, on retrouve encore la Aston Martin 77, bien sûr. Bon, on va aller voir la Ferrari. Voilà, il y a une très jolie Ferrari. Magnifique. Un beau bleu. Place Vauban, BMW, bon je sais pas quel modèle mais avec un petit cover du Seigneur. Bon, il y a de la Porsche,
petite porche, regardez-moi ça. Elle est charmante. Elle est très mignonne. Le sang du Seigneur. Charmante. Dans un petit blanc ivoire peut-être. Elle est chouette. Elle est mignonne comme tout. Donc chaque week-end une nouvelle Porsche Place Vauban. Encore sur un monstre là. Il y a de la McLaren comme vous pouvez le voir. Très sobre noir. Encore de la McLaren les amis, regardez. Amis, une petite pépite française en blanc qui est charmante, petite Alpine, magnifique, jolie voiture, jambes blanches. D'Alpine, la Porsche, la Nissan, beaucoup de Porsche, encore une sous la roue. Les amis, nous sommes devant un three-wheeler que je voulais vous faire voir. Super, c'est une Morgan three-wheeler, c'est ça? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est une Morgan three-wheeler? En gros oui. D'accord. Je peux vous filmer? Non. Non, je vous filme pas. 2009. 2009? Ah oui. D'accord. Et c'est un moteur d'Arlène ou pas? C'est un Harley 2 litres. D'accord. Elle est super jolie. Hein. Bon dimanche.
Donc, comme vous l'avez entendu, le propriétaire, c'est un moteur Harley, donc, comme vous pouvez le voir. On est en V. Elle est charmante, hein. Avec le pot d'échappement qui court sur la partie latérale du véhicule. C'est chouette, hein. J'aime beaucoup ça. Hein. Ça fait le show, hein. Regardez l'intérieur. Donc c'est Morgane. Hein. C'est vraiment très chouette. Très jolie voiture. Three-wheeler, donc trois roues. Hein. Très chouette véhicule. Atypique. Qui tient de la voiture, de la moto. Qui est sous assez hybride. Moi, j'adore. Petit drapeau anglais sur le côté, c'est super. Super voiture. Donc l'intérieur néo-rétro. Les amis, petite porte du Seigneur. Ah, il y a du monde, place Vauban, il y a de la vie. Voilà, ouais, les amis. Il y a beaucoup de monde comme place Vauban, comme vous pouvez le voir. Entre les McLaren, les Porsche, c'est sympa. Les amis, Ferrari 599 GTB. Allez voir ça. Blanche comme ça, très jolie. Il y a du beau linge aujourd'hui. Les amis, super ambiance, Vauban, et ça reste calme, c'est très bien. Amis, je ne résiste pas au plaisir de filmer la Aston Martin 720. Bon, les amis, on n'est pas tout seul, hein, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Donc, on est sur une voiture, alors j'en parlais avec un camarade, on est à plus d'1 million d'euros. Hein. C'est une voiture qui a pris de la valeur. On est sur une pépite là. On bloque la rue, on bloque la route, attention à vous. Quand est-ce qu'il va décoller? Voilà les amis.
propriétaire est super sympa de l'Aston Martin. Très simple, très humble. Un type bien, quoi. Donc Ferrari 550. Un collègue de collectionneur, Jean-Michel. On va aller voir l'intérieur. C'est pas joli ça. L'intérieur bouge quartier, comme vous pouvez le voir. Moteur avant, Ferrari. Elle est très belle. Hein. Elle est splendide. Il y a un Esquimau dans ma voiture. Pas trop froid ? Ça va l'Esquimau ? T'as pas trop froid ? Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.